Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Icarus. Bon, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer d'optimiser un petit peu. Ah, j'aime pas les petits trous là, c'est comme là, j'aime pas. D'optimiser un petit peu notre base, c'est-à-dire plutôt l'aménagement de la base. Les câbles, pareil, là, c'est pas. Oh, le freeze là qui m'a encore fait décaler tout. Le câble, pareil, là, qui. Bon, pas terrible. Donc, on va travailler là-dessus. Très bien, alors commençons. Déjà, ils sont où? Ah, ils sont là. Je vais déjà mettre ça ici parce que j'aime pas le trou. Le problème c'est qu'il va falloir que je fasse ça sur toute la base pour l'isoler. Et j'en ai pas beaucoup des piliers donc. Ok, bon. Alors déjà, ça, on va l'éteindre. Boum. On va récupérer ça. Parfait. Mais ça, on va le récupérer. C'est sur quoi? C'est sur 6, non, c'est sur 5. Ça, je vais le récupérer. On va le mettre là, mais là, il est de travers, en fait. Je vais retirer le câble. Voilà, F. Parfait. L'objectif, c'est de lui retirer sa chariote, lui. Alors, on va mettre notre première éolienne ici, sur le bord, tout simplement. Voilà. La deuxième n'ira pas là. Hein. C'est sûr et certain. La deuxième, je sais pas trop où la mettre. Je la mettrais bien sur le toit. Ou je la mettrais bien. Ah, il y en a même encore deux. Je les mettrais bien de côté en attendant. Ouais. Alors, le chauffage. Non. On va profiter pour faire d'autres trucs. Ça, là. Tout ça, là. Qui me parasite mon inventaire. Le chauffage, les ampoules. Et j'ai pas pris l'autre. Et celle-là. Ok. Déployer. Alors celle-là. Je la mettrai bien ici. Ah, peut-être plus au milieu là. Voilà. Ensuite, je vais en mettre une ici. Encore une tempête? Ah mais j'ai pas arrêté la partie en fait, hein. J'ai enchaîné direct. Et c'est quoi ça? C'est de la neige. Oh, c'est mal fait. Ah, qu'est-ce que c'est mal fait? C'est de la neige. Oh là là, les développeurs là, faut voir ça les gars. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé vraiment, mais c'est moche hein. Ah ouais, qu'est-ce que c'est moche. Voilà. Le lit. On va le retirer d'ici. Vite, parce que là, il y a une tempête. Donc, on a intérêt de remettre ça vite fait.
Le lit, on va le mettre là. Ouais, je commence déjà à sentir les effets du froid. Là. Chauffage. Parce que là, je vais mettre. Ouais, je vais mettre le chauffage ici. Ah, mais non, il faut que le. Ouais, mais je crois que le foyer, c'est pas grave. On va le mettre ici, tiens. Parfait. Hop, allez. Ah ouais, non, mais même là, c'est moche, quoi. Normalement, j'ai assez d'énergie pour fournir toutes les lumières. Ah, quel bonheur! Quel bonheur! Il y a le chauffage en plus. Et il y a le chauffage en plus. Ah ouais. Alors ça c'est bien. La porte était ouverte, j'avais froid. Je ferme la porte. Ça y est, ma température augmente. Ok. Alors parce qu'il y a des jeux qui prendraient pas ça en compte, hein. Ok, donc ça c'est bon. On a notre poêle qu'on va mettre ici. Je crois que c'est un peu bête. Non, parce que par là-bas, je vais mettre la cheminée. Ou ça, je le mets là. Mais remarquez, je peux mettre ça là. Parce que là, vous voyez, j'ai froid là. Oh, j'ai pas gardé sur moi le. Mais après, là, il y a une tempête, hein, évidemment. Mais l'objectif c'est de pouvoir avoir une source de chaleur là-bas. Et je vais mettre la cheminée ici. Voilà, parfait. La cheminée. Voilà, on a une autre source de chaleur, impeccable. Inventaire. Notre petite cheminée. Que je mettrai bien ici. C'est posé. Bon, on va regarder quand même, hein. Pas très confiance. Posé ou pas? Ah oui, c'est bon. Oui, si c'est bon. Impec. Allez. Oui, on a froid, on a froid. Je sais, on a froid. Il y a ça à positionner. Il y a ça à positionner. Ça. 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 Et ça.
Ah ouais, la température tout de suite remonte, hein. C'est excellent. Alors, en cas de tempête, voilà. Je peux activer tout ça. La cheminée, le foyer et ça. Ensuite... Comme ça, je vais peut-être plutôt le mettre là. Travailler à côté du feu, c'est bien. Pareil ici. Ensuite, on va pouvoir mettre une caisse là. Ah non. Si, une caisse là. On va pouvoir mettre une là. Ça va surtout être du bordel, hein. La forge. Ah ouais, elle est grosse la forge, c'est vrai, j'avais oublié ça. Doit être placé à l'extérieur. Ah bah ça m'arrange. Je me rappelais pas ça, tiens. Ça devait être placé à l'extérieur. Voilà. Et si on la met là, est-ce que c'est considéré? Non. Pas comme de l'extérieur. Ok. Si on la met là. Ok. Impec. Donc là, ça c'est aménagé. Après, il va y avoir les défenses à faire. Oui, mais ça, on va peut-être pas pouvoir faire ça dans cet épisode. Il me reste encore ça. Je sais pas si on va avoir le temps de faire ça dans l'épisode. Il me reste ça à mettre. La balise. Les autres éoliennes, je sais pas où on va les foutre. Je sais pas du tout où on va les mettre. Je réfléchis ici, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Il me faut ça, il me faut ça. Alors, inventaire, tac, boum. Ah bah, si tu te places comme ça, je viens. Tu veux pas te mettre en dessous? Bon, bah, tant pis, tant mieux. Parfait. J'en ai que 3 des dalles. Dommage. Ok. Donc là, je devrais avoir la place pour mettre une autre éolienne. Que je vais pas relier tout de suite à l'électricité. Normalement ça passe hein, là. C'est bon. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Pendant un moment. Ok.
Donc là, on est bien. Ensuite. Ouais, j'avais pris ça, mais je pense que je vais laisser la base comme ça. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Enfin, on verra. On verra si je modifie. Peut-être que je ferai un toit. Je sais pas, on va voir. Non, ça m'obligerait à tout changer. Ouais, je verrai. Je vais y réfléchir. Ça, pour l'instant, on va pas le mettre. Il me reste ça et ça à placer. Ok. Donc cette armoire là. Ouais, c'est une petite base, non? C'est vraiment un petit avant-poste. Voilà. Eh, pas mal. Hein. Il nous reste la forge. Alors, elle, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut la mettre là? C'est considéré comme étant à l'abri. Ok, bah écoutez, on va la mettre là. C'est très bien. Parfait. Il me reste la balise à mettre aussi. La balise. Je vais la mettre là. Donc ça, c'est une base et on va la mettre en orange. Voilà. Ok. Bon, on est un petit peu dans la neige, hein. C'est normal. Mais pas la tête dans la neige pour pouvoir respirer. Ok. Il nous reste encore quoi à placer? Ça. Mais on... Ah bah oui. Ah oui, il faudrait que je fasse l'appel. Exact. Ah mais poussez-vous là, les deux là. Ils vont pas se pousser. Hein. Est-ce que je pourrais mettre ça là peut-être? Parce qu'en bas ça va prendre de la place quand même. Hein. Voilà. C'est bon, ça m'empêche pas de passer. Au pire, je ferai un petit passage là. Parfait. Récupérer de la neige. Donc là, je vais tester, voir si dans le récepteur d'eau, la neige fond. Ou pas. On va voir si le jeu prend bien en compte le froid. Il va falloir que je me fabrique une pelle. Eh ben non.
C'est en train de fondre. Ok. Ouais, je vais leur récupérer à boire, eux. Ah. Là, les fruits, ça commence à être de plus en plus. C'est pénible. Et ouais, je peux pas y accéder parce qu'il est sous la neige. Ouais, il faut que je me fabrique une pelle en fait. Mais sinon, on va faire autrement. C'est moi qui vais devoir leur remplir à chaque fois. Ah, les frises. L'abreuvoir se remplit par lui-même ou sinon avec ma gourde. Je peux pas mettre de la glace dedans. Voilà, on va vider. Alors, pour être très honnête, on va vider un peu à l'arrache le chariot. Tac. Bon, les clous, ça va là. Je vais les stocker ici. Ensuite, ça, les murs, ça, les portes, tout ce qui est construction. Ouais, je peux mettre ça là ou là, peu importe, de toute façon. Non, parce que ça, il y a moins de capacité. Donc, par exemple, tout ce qui est construction, là. La tenue, là. La selle, là. Le cuir, lui, il va plus ici. Pour faire de la construction. Ensuite, construction, construction. Construction, construction, construction. Ça, c'est de la construction aussi. Voilà. La nourriture, ça, 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 ça. Il n'y a plus rien. Ok, alors on retire ça. Voilà, ça va faire de la place. Là, parfait. Et tout le reste, je pense que ça va être un peu en bordel. Sauf la nourriture que je vais mettre à cuire ici. Pète pas, hein. Non, voilà, là. Non, pas ça. Voilà. Parfait. La nourriture, on va la mettre ici.
Alors, il y aura de la... enfin, tout ce qui est en rapport avec la nourriture, il y aura de la péremption, mais bon. Ça va me servir pour fabriquer. Ah! Là, ok. Et tout le bordel, on va le mettre là. Voilà. Parfait. Ça aussi. Et là, ça va mieux, là. Vous avez le droit de bouger, hein, les deux, là. Non, vous voulez pas? Bon, ok. Il y a votre nourriture, là. Non, vous voulez pas? Non, t'as ta faim, toi. Tu veux pas bouger? Non, ils s'en foutent. Ok, bon. On va les laisser, hein. On va les laisser. Ok, donc... Ah, bah si, voilà. Ah bah. Eh oui. Eh. Il a tout de suite repéré où était la nourriture. Il nous reste un câble à brancher. Qui va partir. Ça m'embête un peu. S'il peut partir de là, par exemple. Non, il peut pas partir de là. J'ai toujours autant de mal avec leur système. Je vais faire partir par... Ah oh. Là. Voilà. Pouh. Ah puis il me reste une là, j'ai oublié. Ah bah voilà, c'est ça qui manquait. Parfait. Et on est bien là. Regardez-moi cette base. On est top là, on est bien. On est très très bien. Alors attendez. Ah, il faut absolument que je fasse une pelle. Il va commencer à faire nuit. Donc on a du bois juste derrière. Moi j'aimerais refabriquer des murs pour pouvoir faire tout le tour là. Pour protéger. Il va falloir qu'on protège la base aussi avec des pics sur le côté là. Sur cette face là. Ça sert à rien. Ouais, donc juste là. Et peut-être par là. Après sur l'arrière et tout, ouais. On verra. Il va falloir que je refasse des poteaux aussi pour essayer de. Ah les frises. Pour essayer d'isoler le plus possible la maison. Donc ouais, on va avoir un petit peu de taf. On va voir ça dans le prochain épisode à mon avis. Il y aura des arbres à couper, un peu de pierre à récupérer, et puis comme ça, on va pouvoir travailler là-dessus. La nuit tombe. J'aimerais juste récupérer quelques clous. Toc. Que je vais mettre là. Parfait. Et puis, donc, il faudra du bois.
du bois et de la pierre. C'est tout ce qui va nous manquer. Ouais, si on trouve de l'oxyde, au pire, on peut peut-être mettre un petit peu de couleur. Ça peut être bien. Ouais, on verra. On verra ça. Ok, bon. Regardez-moi ce ciel un petit peu orangé. C'est joli les petites paillettes sur la neige, ça fait bien. Par contre, la neige comme ça fait pas terrible, hein. Vaut mieux que la neige recouvre complètement que d'avoir des carrés et d'avoir dans la réalité la neige sur les marches, ça fait pas ça, hein. Alors quand il y en a vraiment beaucoup, oui. Mais là, j'ai un doute. Ouais, par rapport à l'épaisseur, j'ai un doute. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, il commence à faire froid. Bah oui, le jour est en train de tomber. Notre base est plutôt pas mal. Regardez, ça éclaire, c'est bien. On voit la petite fumée par la cheminée. C'est convivial. Ouais. Je vais récupérer un peu de glace quand même. Même si j'ai froid, faut que je me refasse des torches aussi. Ça permet de me réchauffer un petit peu. Regardez-moi cette base. Oh, par contre, la lumière qui passe par en dessous. Oh, ça fait pas. Ouais. On est à combien là? 30 litres. Oh, bah on va peut-être quasiment le remplir. Allez, on va se mettre au chaud et on va arrêter la vidéo ici. Donc on a encore un petit peu de taf. Sur la prochaine vidéo, on va faire un petit peu de construction. Ouais, on va faire un peu de construction. J'ai oublié de faire un truc. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bon, ça va, mon oxygène est bien. Ça dure relativement longtemps, donc je suis pas inquiet. Ouais, j'ai oublié de faire ça. Ouais. Je vais mettre ça là, même s'il y a de la péremption, c'est pas grave. Ok, normalement on peut le fabriquer ici. Hein. Tout, 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 tout. Il est où? Là. Ouais, il faut du bois, du cuir, des os. Ouais, ça va, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Ouais, les os là. Tac. Tac. Le cuir. Et le bois, on le récupérera dans le prochain épisode. Et on fabriquera ça. Ok. Bon, bah, on est bien là. Regardez la température, nickel. Là, ça brûle. Là, ça chauffe. Impec. On est bien. On est bien. Il y a même limite pas besoin d'isoler. Mais on va le faire quand même, je pense. Ou un minimum. Ouais. Ok, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.